Je suis la sergent Eva, j'ai 25 ans, je suis de spécialité acheteur public. Je suis le sergent Odd, j'ai 30 ans, je suis originaire de la Martinique. Je suis élève sous-officier sur la base école de Rochefort. Joséphine Baker est une femme française d'origine américaine. C'est une chanteuse, une danseuse, une artiste. C'est une mère de 12 enfants. C'est une militante. Joséphine Baker représente pour moi le courage, la persévérance, parce que c'est quelqu'un qui a pris des risques pour son pays. Alors, Joséphine Baker est pour moi un modèle, car en tant qu'aviatrice, elle nous montre que toutes les femmes ont leur place au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Elle est issue d'une famille très pauvre et elle s'est construite toute seule. C'est une femme aussi qui me donne beaucoup d'inspiration par ses actes, par ce qu'elle a accompli pour son pays. C'est un honneur de participer à sa panthéonisation et c'est aussi une forme de reconnaissance envers tout ce qu'elle a fait pour la France. Joséphine Baker, c'est une femme qui n'a pas hésité à prendre des risques pour son pays, qui s'est toujours battue pour la paix et la liberté. L'armée de l'air et de l'espace est l'armée la plus féminisée et je suis très fière en tant que femme aviatrice de pouvoir participer à cet événement.